la course du cœur, effectivement, c'est chaque année un rendez-vous magnifique qui va parcourir 12 départements, 5 régions, 200 communes et propager par l'intermédiaire des villages que nous allons traverser et que nous avons contactés depuis très longtemps. Propager le message du don d'organes, aborder cette question de façon à ce que les personnes prennent position par rapport au don d'organes et fassent connaître cette position à leurs proches. Ça, c'est l'essentiel de l'objectif. Au milieu des coureurs qui vont rallier Paris aux Arcs, en 4 jours, 4 nuits, il y a une équipe de greffés. Donc toute la symbolique est là, c'est que ces greffés sont capables de courir, de faire cette course du cœur, de faire des étapes. Et c'est la démonstration du succès de la greffe, donc comme un magnifique témoignage de l'utilité et de la nécessité des dons d'organes. Nous sommes 14, nous sommes 11 transplantés, 3 jokers. Sur les 11 transplantés, il y a 5 transplantés du foie, 4 transplantés du rein, un transplanté du cœur et une transplantée poumon moelle osseuse. Je suis greffé depuis 5 ans d'un rein et il est très important pour moi d'être là pour sensibiliser au don d'organes et pour faire qu'il y ait d'autres personnes qui puissent profiter aussi de ce don de vie. Allez, on va doubler, on sait jamais. Voilà, c'est bien, c'est parfait le sourire. J'ai été sensibilisée et je trouve que c'est un truc que chacun peut faire, vraiment, en ayant sur soi la pierre de donneur et en parlant autour de soi. Et voilà, c'est un don de vie et de croix à la vie. Et là, regardez comme les personnes transplantées sont pleines de vie, ont retrouvé même une activité sportive de haut niveau. Et voilà, c'est bien. Là, c'est la deuxième année où je viens pour la course du cœur. Je crois que c'est une super initiative. Je pense que c'est bien de pouvoir, comme ça, communiquer à travers le sport, parler un peu des greffés, des fois des gens qui sont un petit peu oubliés.